Yann Durepère, vous allez présenter Grinoir dans le quintet de dimanche à Saint-Cloud. C'est vraiment une pendule, hein, votre cheval. Oui, c'est vrai, c'est un cheval qui a été sur la touche donc, pendant un an. Et puis, depuis cette année, on lui a donné des tâches faciles en début d'année. Il nous a fait plaisir. On l'a voulu revoir au niveau quintet en mi-saison. Il a bien confirmé. Et puis, dernièrement, il a finalement, après tant d'années, gagner son premier quintet de belle manière. Voilà, donc cette fois-ci, donc, il supporte une pénalité de 3 kilos. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, c'est normal. Le cheval, je pense encore, au vu de son état de fraîcheur et le peu de course qu'il a dans les jambes, qu'il sera encore compétitif. Et je le vois, même avec 3 kilos de pénalité, au vu de sa dernière course, encore... et puis, je fais confiance en même temps. C'est un cheval qui ne déçoit jamais. D'accord, donc on peut compter sur lui une nouvelle fois. Oui, oui, je pense. Au vu des chevaux qu'il a devancé, de la manière, il va retrouver un lot similaire, même si c'était un lot régional là, sur du national. C'est plus ou moins les mêmes chevaux chaque fois. Voilà. J'ai surtout un. Ce qui me plaît plus que sa pénalité des 3 kilos, c'est la tasse fraîcheur de mon cheval. Je le trouve très en forme et en fin d'année, ça peut faire la différence, quoi. Ça fait la différence. Comme je vous dis, il a couru que 5 fois. C'est très peu. Il semble bien apprécier le terrain assez souple. On avait un point d'interrogation avant d'aller à Lyon. Il nous a retiré ce doute. Maintenant, je suis assez confiant de le voir participer encore. Il ne m'a jamais déçu à ce niveau-là. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui il le ferait.